Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une présentation de carabine levier sous garde. On va faire du tir fun et de la présentation de munitions et un peu une petite comparaison entre ces trois différentes carabines. Donc je vais laisser mon ami Victor de l'armurerie Machinot à Annecy présenter le matériel qu'il a amené aujourd'hui. Donc on commence avec la petite BL22 de chez Browning. Donc toujours sur du 22 long rifle en levier de sous garde. Donc capacité du petit bijou, on est sur du 6 coups, sur de la 22 LR standard. Et on peut accueillir jusqu'à 8 coups en 22 short. Voilà. C'est joliment travaillé avec des petites gravures sur le boîtier. C'est assez mimi, c'est tout léger. L'angle du levier est assez court, ça permet de travailler assez facilement. J'ai jamais eu de problème que ce soit en niveau d'extraction ou quoi que ce soit. Ça marche vraiment très très bien. C'est vraiment agréable comme carabine, c'est vraiment... Le petit jouet, on dirait une carabine à bouchon. C'est vraiment un mimi. Ensuite, alors, la mamie. Donc, on est sur une Uberti, toujours en calibre 22, donc une petite réplique de la Yellow Boy, qui est assez sympa. Elle n'est pas toute jolie. On est sur une carabine, je pense, des années fin 90, début 2000. Alors, maintenant, Uberti a sorti, a ressorti une gamme en 22 LR. Bon, c'est joli, mais si vous avez envie de passer un SMIC. Un pince-pique dedans, bon, libre à vous. Après, c'est vrai que c'est des belles carabines. Mais... Là, c'est de l'occasion. C'est joli. Et puis surtout, ça a vraiment le poids d'une 44-40 ou d'une 30-30 ou d'une 44 mag. Et c'est sympatoche. Ok. Alors, aujourd'hui, présentation de la munition 22 Zimmer. Donc, elle est déclinée en plusieurs marques. Il y a pas mal de marques qui en font. Ça, c'est top pour la personne qui a un jardin avec des voisins. Qui veut se faire plaisir sur son terrain sans forcément faire trop de bruit. C'est des munitions qui sont légèrement sous-chargées. Ça claque tout ce qu'il faut. Ça permet de faire des tirs jusqu'à 10-15 mètres assez précis. Et de s'amuser, de faire du plinking tranquillou dans le jardin. Voilà. Donc on va commencer avec la petite Uberti. Alors, petite particularité de celle-ci. Bon, on a toujours la petite tige et on a la petite fenêtre qui vient s'ouvrir. Je vais en mettre 3 pour commencer. Allez, rentre. Voilà. Et on est tout bon. Bon, on a un petit souci avec la Uberti. Les Zimmer sont un chouïa plus courte et ça a fait cafouiller la planchette. Donc bon, on va faire le test du coup avec la petite belle 22 de chez Browning qui les mange très bien. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Donc là, il ne devrait pas y avoir de soucis. On est parti. Une balle, 5 bouteilles. Donc là, pour rappel, on a tiré avec de la munition Zimmer. Donc c'est de la munition qui est encore plus basse en vitesse que de la munition subsonique. Donc qui fait pas de bruit, mais pas beaucoup de dégâts également, parce qu'on peut voir que les bouteilles n'ont pas explosé. Ça a juste fait un petit trou. Voilà. Là, on va tirer avec des munitions rapides dans la BL22. Alors, par contre, je suis gaucher. Putain, la garde. La garde et le levier très court. Le bruit est pas le même. Donc, clairement, c'est la première fois que je tire avec celle-là. Très bonne sensation au tir. Donc, effectivement, comme on l'a dit dans l'introduction, course du levier est assez courte. Donc, ça permet vraiment d'enchaîner. Comme vous l'avez vu sur ces tirs précédents. Mécanique vraiment précise, fiable et la prise en main est agréable. Pour l'instant, j'adore. Donc là, on réitère avec la petite Uberti. Alors, le poids est pas le même, mais j'aime bien. Ça donne une sensation de fiabilité. Comme disait Boris, lourd c'est mieux, lourd c'est plus fiable. Donc il a tiré avec ses carabines qu'il connaît bien, donc on a essayé de faire test rapidité. Donc vous avez bien vu qu'on tirait que sur gros gong, hein. Le but c'est de la rapidité, c'est pas de faire tous les gongs. Là on va tirer avec la carabine que vous connaissez bien, la Kiappa.
Donc on est sur du 22 avec un modérateur de son grâce à un adaptateur. Comme d'habitude, cet adaptateur vous le trouvez sur la boutique. Tirer 5 cartouches, sauf si j'en ai mis que 4 parce que j'ai pas compté. et puis voilà. Problème de fiabilité avec cette arme, j'ai toujours des problèmes d'enrayement. Alors soit des problèmes de non-percussion, soit des problèmes d'enrayement. Et puis là, comme le système des fenêtres est comme ça et vraiment pas accessible, et ben du coup pour la débloquer à chaque fois c'est compliqué. Donc bon, ça, j'ai toujours un couteau sur moi ou quoi, donc j'arrive à sortir un peu la cartouche. Mais vous voyez que c'est pas évident. Globalement, la vitesse est acceptable. Par contre, quand ça s'enraye, forcément, on perd du temps et c'est jamais très agréable. Voilà. Donc ça va sur du tir fun, mais comme encore une fois, c'est une carabine qui est dite pour la survie. En condition de survie, que ton arme s'enraye tout le temps, c'est pas forcément pratique. Ok, bon, conclusion en tout cas sur la rapidité, clairement c'est la Browning BL22 qui est beaucoup plus rapide, de par la course de son levier qui est très courte, sa mécanique assez fiable, rien à dire, pour l'instant c'est la gagnante de notre concours en termes de rapidité. La petite Uberti dépend pas mal, le problème c'est que l'angle de levier est beaucoup plus long et forcément pour le tir rapide ça aide pas. Voilà, et la grande perdante c'est la Kiappa Takedown, parce qu'elle s'enraye et qu'elle a en plus une course de levier assez longue. On va faire un petit duel, la Uberti contre la Kiappa. Bon, moi j'ai une petite lunette, je triche un peu. On a 5 ballons chacun, donc le premier qui pète tous ses ballons, il a gagné. Voilà. Et il y a une peluche à la fin. C'est bon, t'es prêt? 3, 2, 1, go. Vainqueur. Ah oui, t'en as loupé une. Ouais, bon. Bon bah l'arme ça s'est pas enrayée donc je suis vainqueur. Voilà. C'est très fun à faire, disons que c'est cool. Je ouais. pense que je vais faire que ça maintenant sur la chaîne YouTube. Vous pouvez quitter la chaîne YouTube, ça va être que des ballons. Ah, elle est agréable. Du coup, on va faire un test Zimmer plus modérateur de son, voir ce que ça fait en termes de bruit et de balistique, puisqu'on va tirer sur 5 bouteilles alignées, voir si ça va traverser ou pas. Voilà, c'est une chaîne scientifique à la base, donc je vous le rappelle. Bon, on va voir les résultats. Du coup, ça, c'est la première. Donc, on a un petit trou ici qui a été à moitié rebouché à cause de la chaleur. De sortie, le trou est vraiment plus petit que la balle en elle-même. Voilà, donc une, deux, celle-là a été traversée aussi. Ah, on peut voir qu'elle est craquée. La troisième, donc le trou est là et la balle n'est pas ressortie, donc elle est au fond. Elle est au fond, la voilà fève. La fève. Puis prochaine commande MG Armement, je la glisserai dans votre colis, celle-là en souvenir. Voilà, donc on a fait 3 bouteilles sur 5. On va passer à une munition subsonique. Légèrement plus rapide que de la Zimmer pour voir ce que ça fait. Résultat de la subsonique, on peut voir que ça claque plus, les bouteilles ont été touchées. Bon, ça a traversé 1, 2, là ça a encore explosé. La troisième a explosé aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Mais les deux dernières sont toujours invaincues. Donc ah, regarde, non, regarde. Ah non, pardon. Mais... ah oui, bah d'ailleurs, voilà. Ça qui saute. Voilà. Donc celle-là, donc trou d'entrée. Pardon. Trou de sortie, mais elle est dedans. Voilà, il me semble bien, elle n'est pas ressortie, elle est dedans. Donc ça fait un beau champignon, elle n'est pas ressortie, on peut voir parce que ce trou là, et c'est juste l'impact en fait, elle est venue se cogner là, elle n'est pas retraversée. Voilà. Et celle-là, forcément, intacte. Donc on n'a pas encore réussi à tout traverser. Bon là, il n'y a pas de débat. Et si tu te rapproches... On peut voir qu'on a eu la dernière aussi puisqu'elle s'est transformée en fontaine d'eau. Ça fait des bulles. Alors. Ah, c'est marrant, vous avez vu la trajectoire de la balle. Regardez, on a les deux trous d'entrée et de sortie qui sont là. Donc la balle a dû être déviée petit à petit. Donc, d'ailleurs, comme ça. Truc comme ça. Bon, elle est ressortie, malheureusement, on n'aura pas celle-là. Mais j'ai quand même 2 balles à récupérer pour vous mettre dans vos colis. Voilà, en souvenir. Voilà, donc tout le monde a soif. C'est un 19. Alors. Voilà, donc on voit on a un joli champignon là. Voilà, à pas manger dans l'omelette celui-là.
avant de faire la conclusion sur notre carabine préférée, etc., je remercie encore MT Target qui a fourni les gongs pour cette vidéo. Et je vous rappelle que si vous avez besoin de matériel pour votre carabine 22, que ce soit cartouche de manipulation, cordon de nettoyage, etc., vous trouverez tout sur la boutique. Donc, conclusion, finalement, il n'y a pas de gagnantes, elles sont toutes bonnes dans leur domaine. Après, on va parler de notre coup de cœur, mais clairement, je vais te laisser parler par exemple de celle-là. En quoi c'est la championne dans sa catégorie? Le petit levier qui est infaillible. C'est mécaniquement, tu as vu, c'est fluide. C'est très fluide, ouais. Ça s'enraye quasiment jamais quand on met les bonnes munitions. C'est ça. Mais non, c'est plus que fluide. Le seul truc que je leur reproche, malgré le fait qu'elle soit bien travaillée au niveau des grips, au niveau du boîtier, il y a des jolies gravures un peu style Far West, c'est le côté un peu, comme je disais, carabine à bouchon. Ça fait vraiment très light, très léger, et ça fait un peu jouet. En comparaison, par contre, on a vraiment l'opposé, on a vraiment la Huberti, qui elle est vraiment mastoc. On a vraiment le poids d'une 44, d'une 44-40, d'une 30-30. On est vraiment sur le côté, voilà, yellow boy, vintage. Mais c'est vrai que la mécanique, c'est pas qu'elle est pas fiable, mais elle est quand même moins fiable. Et l'angle du levier et les organes de visée aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils sont pas dingues, quoi. Noir sur noir, c'est pas dingue. Et puis le guidon est vraiment épais, ça donne pas... Enfin, pour du tir rapide, c'est pas vraiment top top, quoi. Mais, vous l'avez compris, la petite Huberti. Elles ont chacune leurs caractéristiques. Disons que par exemple la 22, tu lui reproches, celle-là, la belle 22, d'être légère, mais du coup ça colle avec sa caractéristique qui veut être rapide. Exactement. Dans le tir rapide, c'est intéressant d'avoir quelque chose de léger. Et son levier, donc celle-là va vraiment être championne dans la catégorie tir rapide. Mmh. Celle-là, voilà, c'est le côté historique, voilà, lourd, beau, le papy. Clairement, on va pas faire du tir de rapidité en compète avec ça. Ça, c'est vraiment pour le loisir. Et pour la fin, il y a celle-là. Donc que j'appellerais un petit peu la carabine 22 Tactical, parce que voilà, de base elle a un rail pour mettre une lunette, ce qui n'est pas le cas des deux autres ici, quoique celle-là a un rail 11 mm, celle-là aussi, celle-là évidemment n'en a pas. Bon, ça c'est moi qui l'ai ajouté, à la base c'est pas prévu. Pourquoi je dis Tactical? Parce que vous voyez qu'on n'est pas sur un aspect old school, on est sur du noir, on est sur une carabine qui se démonte. Voilà, un peu la Tactical. Ce que je lui reproche, son manque de fiabilité. Autre chose que je le reproche, elle se veut donc survie avec un démontage facile et tout. Alors oui, le démontage est facile, le problème c'est que quand on la démonte, il y a des pièces qui peuvent tomber de la carabine, et c'est dommage tout simplement. Si on la travaille dans un sac à dos et qu'on perd les pièces, c'est quand même vraiment bête. Donc finalement c'est une carabine un peu bonne à tout et à rien. Elle est sympa, mais clairement, chiapa encore une fois. D'ailleurs j'avais oublié qu'elle démontait celle-ci, tu vois. Ouais, elle est cool, elle est tech down comme on dit, donc elle s'ouvre en deux facilement en dévissant cette vis. Donc elle est cool à posséder, mais franchement c'est pas une œuvre d'art, quoi. De toute façon, peu importe la marque, hein, toutes les plateformes en levier de sous-garde en 22, ça reste pour du fun shot, quoi. Pour, c'est ça. Et ouais, tu parlais des instruments de visée, c'est pareil, sur celle-là c'est pareil, on a une hausse crocodile et un guidon qui sont full noir, on voit rien clairement. Donc encore une fois, sur du fun shoot ça va bien, mais dès qu'on veut faire un peu de loin, clairement c'est. Faut pas choisir ce genre de carabine pour du tir de précision en 22, c'est archi mort. Voilà. Bah, c'est quoi ton coup de cœur, toi? Tu devais en choisir qu'une. Je sais que c'est pas évident comme question. Si je devais en choisir qu'une. Bah, la Browning, ça fait un bout de temps que je l'ai et je me suis bien fait la main dessus. Ouais. Elle m'a apporté pas mal d'heures de détente, de fun shot et de kiff. Mais c'est vrai que la petite Huberti avec son look yellow boy, son côté mastoc rustique et puis la mécanique. Pas pris encore, Ah bah oui, attends. Oh. Voilà. Non, c'est joli. C'est joli. Bon, bah moi mon coup de cœur, je vais pas être original, c'est celle-là aussi. Pareil pour le look, la mécanique, c'est mythique, franchement c'est génial. À part celle-là, si je devais être original pour pas faire comme lui, ça serait la Browning, donc je choisis pas la mienne, comme je l'ai dit, parce que voilà, la Browning, clairement c'est un jouet, c'est que du kiff. Voilà. Mais clairement pour le look. Mais pour rappel, il y a, comment dire, il y a Huberti qui a refait une gamme un peu comme ça, vintage. On a un peu toutes les couleurs, toutes les tailles, mais bon. Les gabarits sont pas les mêmes, on est plus sur des gabarits sur de plus ou moins qui ressemblent un peu à la BL22. Ouais. Et encore une fois le prix qui est pour moi qui est trop, quoi. Ouais. Qui est trop. Ouais, parce que pour rappeler les prix un petit peu, moi là on est aux alentours des 500 €. Clairement c'est pas une somme énorme, mais ça reste énorme par rapport à la qualité de la carabine. Clairement, on peut le voir, hein, rien que là. Vous pouvez voir à l'intérieur, hein, la peinture qui se barre de partout à cause des frottements, alors que la carabine elle a pas énormément tiré, quoi.
Donc les finitions sont vraiment pas terribles. Et donc tu disais sur la Huberti en gamme de prix. Alors si tu, la gamme que Huberti a refait récemment, on est sur des carabines prix public conseillé qui aussi voilà sur 1100-1200 euros, ça fait cher pour une petite 22 enlevée de sous-garde. Ça du coup c'est de l'occasion, hein. C'était une carabine des années fin 90-2000 que j'ai repris en dépôt vente à l'armurerie et qui m'a tellement fait de l'œil qu'au final je l'ai repris pour moi. Voilà. Donc on peut toujours en trouver hein, sur Natura Buy ou autre, voilà, ou en dépôt vente chez votre armurier préféré, dans des prix abordables, mais J'entends à l'oreillette que l'armurier préféré c'est. Ah, je sais pas. Ça je sais pas. C'est Armurerie Machno Annecy, je sais pas. La pub bien lourde. Non, il y a un truc intéressant sur cette carabine, c'est que l'éjection se fait par le dessus et non sur la fenêtre latérale comme ces deux copines. Alors, c'est mécaniquement, ça reste assez fiable, mais pour que vous voyez à peu près les entrailles de la machine, voilà, en gros, ça fonctionne comme ça. Voilà. Et donc la Browning, on est dans quelle gamme Alors ça, je l'ai acheté il y a quoi? J'ai acheté il y a 6-7 ans à l'époque. Il me semble que je l'avais acheté 600 euros, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ah ouais. Et je le regrette pas du tout. Ouais, ça reste du coup un tarif raisonnable par rapport à celle-là. Là, clairement, on a c'est le jour et la nuit en termes de mécanique. C'est donc ça. Là, clairement, le tarif est justifié. Et comme tu dis, il y a un petit rail de 11 qui est fraisé à même la carcasse qui permet. Alors j'ai fait. Alors bon, déjà, c'est très laid. Parce que la carabine est très petite. Ouais. Donc même avec une petite 432, ça dégrade complètement le visu de la carabine. Ça, c'est horrible. Mais c'est vrai que. Après, bon, c'est un canon court. C'est pas fait pour aller taper des gongs à 100 mètres. Mais avec une petite lunette, on peut s'amuser puis faire des tirs de précision. Ouais. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite expertise. Hein. C'était nos points de vue à nous, nos coups de cœur et tout. C'est pas quelque chose de. Voilà. J'espère que ça vous a aidé en tout cas si vous vous étiez intéressé par ces trois carabines-là. Encore une fois, je remercie tous les sponsors, MT Target, je te remercie toi d'avoir amené du matériel. Merci à toi. Et du coup, je vais le laisser du coup parler de ses projets. Alors projet, gros projet peut-être qu'il aura le jour. Donc pour l'instant, je suis donc responsable de l'armurerie Paul Machno à Annecy, en centre-ville. Le projet, ce serait soit de reprendre cette dernière à mon compte, soit de faire mon chemin de mon côté et puis d'ouvrir mon armurerie dans le secteur Annecy et sa périphérie. Voilà. Voilà, donc une bonne adresse, un vendeur sympa en tout cas. Il essaye. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez, commentez comme d'hab, vous savez, je vous le dis tout le temps, mais c'est très important pour nous. Et je vous souhaite de vous amuser. Ciao. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Le concert est terminé, je range mes instruments. D'accord, ok. C'est drôle d'instrument, ça fait quel type de musique ça? Tu connais Beethoven? Attends, je vais t'en jouer.